Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Ni no Kuni. Donc aujourd'hui, on va enfin quitter Karabas et se diriger donc à Almame, la ville donc dans le désert. On va devoir passer par un donjon donc qui est une forêt. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Hein. J'ai vraiment hâte de continuer dans l'aventure, d'approfondir un peu l'histoire. Ça semble que maintenant Shadar va vraiment être de la partie. On risque de le voir un peu plus souvent. Donc franchement, j'ai hâte d'avancer. Là j'ai déjà fait toutes les quêtes de la ville en plus, donc c'est plutôt pratique, enfin normalement, mais là je vois qu'il y a un truc qui clignote, visiblement il y aurait une quête. Ah d'accord, il lui manque quelque chose. Ah d'accord, c'est bien lui, je m'en doutais. Ça devait pas être très très loin. Donc on va lui piquer un peu d'enthousiasme pour la petite dame. Et peut-être qu'on va pouvoir du coup terminer une quête. Pour avoir une planche de tampon entière. Ce serait plutôt sympa. Allez, passe au cœur. Et on n'en parle plus, elle va redevenir normale. Voilà, nickel, 3 barres de chocolat, 3 flancs, 30 florins et 2 tampons, donc c'est bien ça, on a enfin terminé la première carte du mérite. Donc on va tout de suite aller chercher notre petite récompense. Je vais vérifier en même temps le tableau et les quêtes de chasse. Génial, j'ai un moucheron qui se balade sur mon putain de micro. Expliquez-moi comment je suis censé faire. Aïe, 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 aïe. Alors voyons voir. Ah ben oui, effectivement. Allez voir l'homme et demandez-lui ce qui ne va pas. D'accord. D'accord. Ok. Donc, mon petit contremaître. Récolter une récompense, donc du coup on peut choisir avec une carte du mérite, soit on peut sauter en appuyant sur B, soit on peut courir un peu plus vite sur les plaines et collines du vaste monde, soit on accroît occasionnellement les fruits de votre glanage. On aura également plus tard quelque chose qui nous permet de nous faufiler plus facilement derrière les ennemis et fait apparaître davantage d'or revigorant pendant les combats. Après tout le reste, pour l'instant c'est mystérieux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est bête, mais c'est de sauter. Voyons voir, chasseur de primes. Nord du bois bolé, les vallons ondoyants, une bête ailée tourmente les voyageurs qui rejoignent la ville. Il faut s'en occuper avant qu'elle ne blesse quelqu'un. Allez go, on y va. Pour les autres quêtes, de toute façon, je reviendrai hors caméra et je les ferai. Comme j'aime bien le faire, de toute façon. Et donc, on peut sauter maintenant. C'est pas génial, ça, de pouvoir sauter. Allez, au revoir, Karabas. Donc, c'est parti pour... notre nouvelle destination. Alors déjà faites-moi voir, voilà. Donc on va directement partir vers l'ouest pour aller battre la quête de chasse et ensuite on redescendra vers le sud pour les bois.
D'ailleurs, je m'en suis équipé de la baguette ou pas? Ah oui, quand même. Parce que sinon, ça craindrait. Bien qu'à la meilleure, pas grand-chose. 2 et 5, 6 et 14. Bon, encore, ça va. Ça pourrait être pire. Bon, allez, j'ai augmenté un peu le son parce que j'adore trop cette musique. Et on y va, c'est parti. C'est pas très loin. Sans déconner, au niveau où j'ai, il m'attaque. C'est une blague ou quoi? C'est abusé. Enfin, c'est pas grave. Voilà, c'est évident qu'il y ait. C'est par là-bas. Je le vois. Oh là là, c'est chiant ça. C'est le truc qui sert à rien en plus. Ok, il est là-haut. Et c'est parti, on y va. Ok, bon, on va le laisser attaquer tranquille. Bon, évidemment, il commence par le plus fort. Hein. Ça m'étonne même pas. Voilà, on l'a eu. Plus que les petits bonhommes. Et c'est terminé. Et je l'ai eu. C'est une victoire, maintenant nous allons nous diriger vers le bois. Oh putain. C'est ridicule. Voilà la forêt où nous allons. Et on y est presque. D'ailleurs, je sais pas si c'est par là qu'on va obtenir le sort croissance. Pour faire pousser des champis. C'est tellement beau les champis.
Allez, c'est parti, amigo. Alors déjà, on va sauvegarder pour se restaurer la vie. Ce sera, je pense, un bon début. Et puis, de toute façon, dès qu'on arrive à une sauvegarde, il est quand même de toute façon important de sauvegarder. Et allez, on y go. Donc, bon, toujours système couloir, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Ah, premier combat. Ok, donc ils sont pas mauvais. En plus, je suis empoisonné dès le début, ça commence bien. Allez, tue-nous ça. On va voir combien d'XP on gagne avec ce genre de monstre. Ok, 32 points, c'est pas mal. Donc déjà, si au cours de cet épisode on peut réussir à traverser la forêt, ce serait déjà un bon début, je pense. Allez, un premier petit sandwich, ça fait plaisir. Donc nous, on va aller évidemment par là-bas. On a juste à suivre la route. Oh, pourquoi il faut toujours qu'il y ait des sortes d'araignées dans les jeux? Allez, go. Bon, encore elle est mignonne, ça là, ça passe. Et puis elle ressemble pas totalement à une araignée, on va dire. Parfait. Donc là, il n'y a pas d'autre direction possible, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. On a juste à aller par là, là où il y a une seconde créature qu'on va prendre par derrière. Allez, restaure-toi un peu la vie, s'il te plaît, ça me fera plaisir. Allez, lui est niveau 10, ça c'est cool. Et il a pris un nouveau talent. On va aller par là, mais je me tâterai à aller par là aussi. Non, c'est pas là. C'est là. Allez savoir où on est censé aller. Mais là on peut pas, vous voyez, il faut le sort croissance. Donc ce sera par ici. Il n'y a pas vraiment de choix. Et voilà. Je l'ai eu. Voilà, autant que possible, j'essaie de récupérer les herbes. Ça évitera de dépenser des PM pour se soigner. Donc là, il n'y a rien. On va aller par là-bas. Je pense que ça mène probablement à l'endroit où on a vu le sort croissance tout au bout.
Parce que là, faites voir, je suis à quel niveau. Ouais, je pense que c'est ça. Ça va nous mener là où je voyais l'endroit avec le sort croissance. Mais vu qu'on n'a pas le sort, de toute façon, on ne pourra point y aller. Ok, je pense quand même que je me ferai un petit premier secours après ce combat. On va pas se mentir, ça commence à devenir juste les points de vie. Récupère-moi ça. Sans déconner, zéro. Allez, niveau 10. Ça, c'est cool. 5 PV en plus. Et je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais pas aller trop vite. Il me semblait bien que si Oliver monte de level, ses points de vie se restaurent. Donc c'est parfait. Allez, une autre araignée. Bon, après je pense qu'au niveau de l'équilibrage, ils se doutaient bien que les araignées étaient fortes et du coup ils en mettent qu'une à chaque combat, donc ça va encore, c'est faisable. Juste pour le plaisir. Bon, au final, ils vont me faire des attaques normales. En deux attaques normales, on fait autant de dégâts que avec la compétence. Alors attendez, parce que là il y a une autre direction. C'est un vrai labyrinthe de ce bois. Ok, let's go. Donc là, au niveau de la cartographie, on est comment? On est dans une jarre forêt géante. Sachant que l'objectif est là-bas. On n'est pas à côté. Clairement, on n'est pas du tout à côté. Nickel. Non mais crois pas que tu vas gagner, jeune araignée, tu es morte d'avance. Et en plus 3 points de vie restaurés, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Donc la suite s'il vous plaît. Donc là bah, on arrive à un cul-de-sac et finalement fallait bien que ça arrive à un moment donné. On a juste à, bah, à retourner en arrière. C'est pas grave, de toute façon je me rends compte que regardez. Là-haut il y avait des champis, au-dessus c'était un cul-de-sac donc on n'avait pas le choix, il fallait aller de ce côté. Je pense pas qu'on aurait pu aller là. Là, il y a des champis, donc on peut pas y aller. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est continuer par là. Tant qu'on n'a pas de sort croissance, de toute façon, on ne pourra rien faire. Alors, je sais plus si on va l'avoir directement dans cette forêt, le sort croissance, ou si on l'aura un peu plus tard. De toute façon, on verra bien. Allez, ça, c'est des nouveaux monstres. J'en ai pas encore battu des comme ça. On a un jar de cochon. Et une jarre de, un jarre de buisson, on va dire. Allez, nickel. Next, please. Mm-hmm. Donc, on va continuer tout droit, puisqu'on n'y a pas encore été. Ne dites pas qu'il y a une direction ici aussi, sans déconner. On n'en finit jamais. Sûrement un cul-de-sac. Un cul-de-sac avec un coffre. Bon, on a évité un combat. Pour une fois, c'est pas bien grave. Donc il reste plus que cette direction, je suppose. Trop tard, il m'a vu.
J'aurais aimé plutôt faire un combat par surprise, c'est toujours mieux. Mais c'est pas grave. Joli. Là, ça m'a donné pas mal de petites orbes de restauration, donc c'est vraiment sympa. Allez, bah parfait. Ah, lui, il va bientôt monter au niveau 10, ça c'est cool. On arrive ici. On va par là peut-être. Ah bah là, de toute façon, on se retrouve à nouveau bloqué. Parce que de toute façon, je suppose que je l'ai pas, le sort croissance, on est bien d'accord. Ah, peut-être que remarquer... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, non, c'est croissance qu'il faut. Alors. On va par ici. Je vois que là-bas aussi, il le faut. Il y a énormément d'endroits dans la forêt, en fait, où on a besoin de ce sort qu'on n'a pas. Et voilà, ils sont tous niveau 10, un premier palier franchi dans le jeu. Bon, du coup, une fois de plus, on arrive ici. Donc là, ça mène enfin à cet endroit bien précis. Donc en revanche, je me suis trompé. Je pense que les endroits où on voit les champignons comme ça, j'aurais pu y aller, malheureusement. On fera pas demi-tour maintenant. On ira un peu plus tard dans l'aventure. Une fois qu'on se sera sauvé de cet endroit. Bim. Magnifique, magnifique. Alors celui-là. D'accord. Est-ce que je peux faire crochetage ou pas? Yeah. Génial. Obtenez un harpon de givre. La question c'est est-ce qu'un des monstres que j'ai peut s'en équiper? Évidemment que non. D'ailleurs ce serait bien de pouvoir avoir de nouveaux monstres. Sans déconner. Bon je pense que là on va arriver au boss. Clairement on est juste à côté. Ça ne fait aucun doute. J'espère qu'il y aura une sauvegarde. Bon, s'il n'y a pas de sauvegarde, théoriquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de boss. Mais dans le doute, je vais me soigner. C'est un cul-de-sac, en fait. Ça va sûrement me donner le fameux sort.
Ah, donc là, c'est cure de jouvence. J'avais peut-être raison, finalement. Il faudra peut-être pas croissance. Seulement, il fallait arriver ici pour s'en servir une première fois. Allez, fais-nous le grand jeu au lit. Ah oui, je me rappelle, il va nous rejoindre. Mais je crois qu'il est vraiment inutile. Ok, et donc on doit aller où? Ici? Ok. Bon ben, let's go, hein. Écoutez. On va pas rester là non plus 2 heures, hein. On a un monde à sauver, quoi. Donc c'est parti, let's go. Moi je veux sortir de cette forêt, je ne veux pas y rester toute ma vie. Allez, petit combat déjà pour bien commencer. Ou plutôt, bien continuer. Aïe 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 aïe, je suis en retard sur mon planning, moi, dans l'histoire. Allez, tu mets le but goutte là, ensuite le guépétale. Ils ont des noms, écoutez-moi, je sais pas si c'est la traduction, hein, mais des fois je me dis qu'on devrait laisser les noms en japonais peut-être, parce que là, c'est affreux quoi. Bref, c'est une victoire. Donc on a juste à aller par ici. Et on va arriver au niveau d'une étoile. C'est ici. Ah d'accord, il nous rejoint, c'est bien ce que je pensais. J'aurais dit exactement pareil, Oliver. Oh my god. Ça fait longtemps que j'avais pas été empoisonné, tu sais. Génial. Bon, sortons de cette forêt, messieurs. Où est-ce qu'il nous conduit? Ok, il nous conduit au prochain champignon, probablement. Ah, donc j'avais raison, on avait besoin de croissance.
Granule. Bon, on va lui laisser ce petit nom. C'est très mignon. Ok, donc on doit aller où? What the fuck? Je dois redescendre en bas. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Effectivement, parce que sinon ça va être trop long. On reprendra dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude et vous abonner. Et on se retrouve demain pour la suite. Bye bye.